Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Nous remercions le Seigneur ce matin. Yes. Nous sommes là, une nouvelle fois, pour remercier le Seigneur, pour louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Seigneur, ce matin, nous te disons, Père éternel, qui est dans les cieux, sanctifie ton nom, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire que ton nom se sanctifie dans notre vie, dans la vie de notre famille, dans la vie de nos frères et sœurs, Seigneur. Seigneur, que ça fait ta volonté dans notre vie, comme se fait dans les cieux, que se fait aussi dans la terre. Dans le ciel, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a l'intercession. Tu voulais, Père éternel, que se fait aussi dans la terre. L'adoration, la louange, l'intercession. Pardonne-nous tout notre péché. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons péché contre toi et contre le ciel. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois que nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, toutes nos offenses à ce qui que nous ont offensé, Seigneur. Je te demande, frère, sœur, famille, amis, que tu nous puisses perdonner tout le mal que nous te avons fait. Seigneur, loigne-nous de tout le mal. Loigne-nous de toute tentation, Seigneur. Père éternel, ce matin, donne-nous ce pain quotidien. Donne-nous ces manières qui sortent de ta bouche. Père éternel, parce que c'est à toi la louange et l'adoration. Maintenant, Seigneur, nous voulons rentrer dans ton trône de ta grâce avec l'adoration. Nous voulons te adorer ce matin, Seigneur. Nous voulons te adorer, Seigneur. Oh, oh, oh. Inna baba vais. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Oh, je vais te dire, Seigneur, merci. Merci. Merci.
De son esprit dans notre vie. Je voulais, mes frères, mes soeurs, donner le micro à mon frère, le pasteur Joseph, pour faire la prière de bénédiction de ce matin, pour remercier le Seigneur pour ce que lui a fait dans notre vie. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce matin merveilleux. Merci de nous accorder encore cette grâce d'être là, Seigneur, dans ta présence. Car ta parole nous dit, oh, qu'il est doux et agréable de frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Et dans ce lieu, Seigneur, tu déverses ta grâce et tes bénédictions. Laisse que ta présence soit réellement permanente au milieu de nous, oh Dieu. Nous laissons ces cultes d'adoration entre tes mains. Nous voulons célébrer ton nom, seul ton nom, ô Père. Règne en ces lieux. Domine en ces lieux, ô Dieu. Nous neutralisons tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus. Que Dieu soit élevé comme le seul Seigneur et Sauveur de nos vies. Sois glorifié, ô Père. Nous laissons ces cultes entre tes mains. Domine, que l'Esprit de Dieu sois manifeste au milieu de nous. Amen. Que tu règnes en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Merci. Sois béni, ô Père. Merci Seigneur pour ta prière. Merci Seigneur parce que nous recevons ta bénédiction ce matin.
Nous sommes là pour ta grâce. Nous sommes là ici pour ta miséricorde. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons prier pour nos frères et sœurs qui sont dans les chemins, qui sont dans les métros, qui sont dans les bus, qui sont dans les trains, qui sont dans la voiture, pour venir aujourd'hui pour te louer, pour te adorer. Je voulais que ma sœur Eve pouvait faire cette prière. Nous élevons ton nom et nous t'adorons ce matin parce que tu es digne, parce que tout ce que tu fais est merveilleux, parce que tout ce que tu fais est glorieux, parce qu'il n'y a rien qui puisse se comparer à toi, Seigneur. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu as mis ta grâce sur nous. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu nous as donné encore, Père éternel Dieu, une deuxième chance de te célébrer, de te louer, Seigneur. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous avons pris la décision de venir dans ta maison, de te célébrer avec nos frères et sœurs, Seigneur, d'acclamer ton saint nom, d'élever au plus haut le saint nom de Dieu, Seigneur. C'est lui qui est au-dessus de toutes ces choses, c'est lui qui fait toutes ces choses, Seigneur. Nous te disons merci et nous te célébrons ce matin pour cela au nom puissant de Jésus. Sois avec nous et manifeste ta gloire au milieu de nous ce matin. Parce que tu as dit, Seigneur, dans l'adoration, Papa, le peuple de Dieu se lève vers ton trône. Et dans la louange, nous descendons ton trône parmi ton peuple. Que ce matin, nous puissions nous élever, Père éternel Dieu, devant toi, te rendre la gloire et dire que tu es saint, saint, saint et éternel. Alléluia. Alléluia. Je voulais, le frère Francis, il vient de dire, Jéhovah, c'est ton nom. Yahweh, c'est ton nom. Elohim, c'est ton nom. Adonai, c'est ton nom. Je voulais que la chorale chante ce chanson. On va proclamer le nom de ce qui nous fait créer à son image. Alléluia. Jéhovah est oh oui, c'est son nom. Oh Jéhovah, c'est ton nom, Seigneur. Jéhovah est son nom. Oh proclame, proclame son nom. Jéhovah est son nom. Oh, ton nom s'est sanctifié. Jéhovah est son nom. Oh,
Oh,
besoin de Mais le Seigneur te dit ce matin. Jésus, nous avons besoin de toi. N'ouvre pas ton parapluie. Ouvre, Seigneur, les portes. N'ouvre pas ton parapluie. Viens et que ton règne vienne. Que ta bénédiction vienne ce matin. Descende dans ta maison. Si on est tout très fatigué, d'adorer le nom de Jésus, je voulais que tout est mis debout. Le Seigneur il va renouveler ta force. Le Seigneur voulait renouveler ta force. Le Seigneur voulait que ces fatigues qui partent de ta vie. Tu es dans la maison de l'Éternel. Tu es dans la maison de l'Éternel. Et la parole de Dieu dit, alléluia. Je voulais que mes lues, alléluia, en esprit et en vérité. Le Seigneur ne voulait pas que tous les lues fatiguées. Alléluia. On va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. Le Seigneur voulait renouveler ta force. Force à Tu es digne de louange Jésus. Tu es digne de célébration Jésus. Tu es digne d'être honoré ce matin. Nous te louons parce que tu es Dieu. Nous te louons parce que tu n'es pas changé. Oh, come on, come on, come on.
pas, ne t'arrêtez pas. Maintenant, ça, ça va mettre chaud. Écoutez. Yahvolia, que tu es dans le monde entier, dans les ténèbres. Mais nous sommes là aujourd'hui. Et on va faire comme le petit David. On va le lancer le canon sous la tête. On va le cracher la tête. Yahvolia. Oh,
Mais ce n'est pas toi qui t'es fait venir ici, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur, il a renouvelé ta force. Le Seigneur, il a renouvelé ta force. Amen. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont arrivés ici pour la tête comme ça. Mais quand nous savons louer le Seigneur, il a sorti la joie. La joie. Amen. Parce que c'est lui qui nous donne la joie. Amen. Alléluia. C'est le moment de témoignage. S'il y a quelqu'un entre nous qui voulait témoigner ce que le Seigneur il a fait dans sa vie, dans ces semaines, je voulais que tu viennes ici et tu donnes ton témoignage. Parce que tout ce que ça passe dans notre vie, c'est un témoignage. Un témoignage, ce n'est pas seulement quand le Seigneur donne les papiers. Quand le Seigneur donne du travail, quand le Seigneur donne de l'action, notre vie, c'est un témoignage. Amen. Tout ce que ça passe, c'est un témoignage. Si nous, aujourd'hui, nous sommes vivants, c'est un témoignage. S'il n'y a pas personne qui voulait témoigner, votre vie, notre église, il a fait la vigile. Dans ce moment, que le pasteur est ici, dans la prière, de mon pays me sont envoyés un message. Est-ce que vous me pouvez faire interpréter? Parce que mon mari, il a pensé qu'il y avait un terrain plein d'argent, de dollars, d'euros. Il y avait un avion, il y avait des gens de différents langues que louaient le Seigneur.
Je l'ai commencé à écrire ce que le Seigneur m'a montré. Qu'il y avait quelqu'un dans son village qui voulait faire de la sorcellerie à son mari. Elle me dit oui. Il lui dit que le Seigneur lui dit, on parle que lui parte d'ici. Parce que nous sommes fatigués de que lui prêche la parole ici dans notre entreprise. Mais dans ce moment, le pasteur aimé, il a commencé à parler de la sorcellerie. Je le dis à ces gens là-bas au pays, connectez-vous parce que nous sommes dans le moment de prière à notre église. Ces gens se sont connectés. Je le dis, je vais te traduire tout ce que le Seigneur dit. Ils ont dit, pasteur, il y a quelque chose qui a sorti de là-bas de votre église. La onction du Saint-Esprit, il a rentré dans ma maison. Tous les esprits de mort, tous les esprits de sorcellerie, ils sont partis. Même ces gens qui nous ont fait la sorcellerie, qui les ont donné de l'euro, qui nous ont donné de l'argent, ils sont venus ici dans ma maison. Ils ont dit, il y a quelque chose qui a sorti d'ici dans ta maison qui a touché ma vie. Mes frères, mes soeurs, n'importe où tu es, tu fais la prière. Parce que d'ici, il a sorti un caillou sur la tête de Goliath qui fait que ces gens là-bas au pays, ils pleuraient, ils voulaient décider de quitter la vie. Ils voulaient laisser l'église. Mais quand le pasteur aimait, il appréciait. Il y a quelque chose qui a sorti d'ici. Moi, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je ne me mets pas d'accord avec mon pasteur. Il a parlé de sorcellerie et tu m'as révélé que ces gens, ce que les fait, son ennemi, c'est de la sorcellerie. Mes frères, mes soeurs, il faut que nous, comme notre pasteur, il prêche, il prie. Nous voulons aussi prier, les protéger avec la prière. Parce que nous ne savons pas la grande bénédiction qu'il y a ici dans notre pasteur. La grande bénédiction qu'il y a ici dans le rayon de Rachete. Parce que même des gens qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas lingala, quand nous chantons, quand nous adorons, quand nous louons le Seigneur, il y a quelque chose que ça passe dans le monde entier. Je voulais louer le Seigneur, on va louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que cette onction qu'il y a ici dans le rayon de Rachete, il va sortir. Il va sortir. Il va toucher des gens dans la rue. Il va toucher des gens là-bas au Congo, il va toucher des gens là-bas à Cuba, il va toucher des gens à Mexico. On va louer le Seigneur. Alléluia. Que nous pouvons nous mettre debout, bien-aimés. Nous allons louer le Seigneur. C'est lui qui nous a donné la vie. Gloire, gloire à Jésus. Il est Dieu de miracles. Est-ce que vous êtes dans la joie? Alléluia. C'est pas ça, on va louer le Seigneur pour que les démons partent. Quand tu vas louer, quand tu seras en train de louer, Amen. Le chêne va se briser. Et la médaille de Jéricho va tomber dans ta vie. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu.
Yeah.
Vous savez, ça maman, tu peux traduire cette petite phrase en français. Tant de ton arabat, tout bimisaga énergie. Nala, on est dans la présence de Dieu. Quand tu chantes, chante comme si c'était la dernière minute de ta vie. Le Seigneur a dit, si vous ne voulez pas chanter, il va susciter les pierres. Oui, mais ça va mieux du banga. Ça fait quoi? Ça fait mal parce que c'était fort. Comment un peu du bain à boire? Rien. Mais quand tu l'appuies avec une puissance là, ça va te blesser. J'aimerais qu'on blesse le cœur de Dieu par la louange. J'aimerais qu'on touche le cœur de Dieu. Thank you.
chrétiens sont dit, je suis dans la joie. Il m'a libéré de mon péché. Alléluia. Vous pouvez s'asseoir. Peut-être quand tu es dans le monde, que tu es à la discothèque, jamais tu as trouvé la joie. Mais ici, ici dans la maison de Dieu, quand nous sommes revenus notre vie à lui, frère, il est venu la joie. Alléluia. Amen. Ce matin, on va recevoir notre pasteur aimé, l'ancien de l'Église. Le livre d'Apocalypse dit, le Seigneur il a parlé à l'ange de l'Église. Lorsque le Seigneur l'a parlé à lui, lui va nous transmettre ce matin. Yes. On va recevoir notre pasteur aimé Lurika Makasila. Mon petit frère. Moi, je suis Makasila. Amen. Amen. Je veux que si une personne puisse sortir de ce lieu avec victoire. Yes. Vous savez, notre Dieu, on l'appelle l'éternel des armées. C'est écrit ça. Dieu, il s'appelle l'éternel des armées. Réponds encore, notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Voilà, prie, dit l'Éternel des armées, j'ai besoin de t'écouter, j'ai besoin que tu sois avec moi dans mon combat. Au nom de Jésus, prions. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux venir de toi, Seigneur, dans mon combat. C'est toi qui combattras pour nous. Gardez mon silence. Quand il est là, Seigneur, la victoire est certaine. Quand il combat Père éternel, l'ennemi n'aura pas Père éternel la force parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Vous savez, mes frères et sœurs, aujourd'hui, si on dit que Poutine, c'est un homme puissant, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup de vestes. Amen. Ce n'est pas parce qu'il fait le sport. Si on dit aujourd'hui que Poutine, c'est un homme puissant, c'est par rapport aux armes qu'il détient. Ah oui. Alléluia. Amen. Donc, il peut devenir un homme puissant par rapport à ce qu'il possède. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qu'on appelle les hommes puissants à cause de leur argent. La richesse peut te rendre puissant. Amen. Amen. Donc, pour être puissant, tu dois avoir des armes qui te rendra puissant. Alors, dans la vie, si tu n'es pas puissant, tu seras les cibles. Et dans la vie, si tu n'es pas puissant, mes frères et sœurs, c'est difficile de réussir. Dans la vie, si tu n'es pas puissant, c'est difficile d'avancer. Parce que la vie, c'est un combat. Tu dois être puissant dans ton esprit. Vous savez, si tu n'es pas puissant, tu n'arriveras pas à atteindre ton objectif. Voilà pourquoi Dieu, on l'appelle l'Éternel des armées. Si on dit Dieu est éternel des armées, c'est un combattant. Si Dieu n'était pas l'Éternel des armées, Satan pouvait régner au ciel. Mais comme il était l'Éternel des armées, il avait la capacité de chasser Satan là où il était. Quand tu deviens puissant, tu es devenu un homme dangereux. Même tes ennemis ne pourront pas venir.
venir faire n'importe quoi là où tu es. Parce qu'ils savent que tu es un homme puissant. Amen. Mais si tu n'es pas puissant, frère, les gens viendront danser sous ton nez. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, tu n'es pas puissant. Ils savent que non, tu es faible. Yes. Voilà pourquoi même en Afrique, nous sommes dominés parce que nous sommes faibles. Les Occidentaux sont puissants. Ils veulent nous imposer des gens pour nous gouverner. Ils viennent nous imposer les prix, mes frères et sœurs. C'est parce qu'ils sont plus puissants que nous. Vos faux. Nous pleurons. Mais tant que nous n'aurons pas quelqu'un qui sera plus puissant que eux, nous allons pleurer, nous allons pleurer, nous allons pleurer, et nous pleurerons toujours parce que on n'a pas des armes pour faire quoi? Attaquer. Vous avez des armes. Quelqu'un qui a les armes. Les armes à deux, qu'est-ce que cela peut dire? Désutilisation. Les armes, c'est pour te défendre. Amen. Amen. Si tu as les armes, c'est pour te défendre. Mais si tu te défends, tu te défends seulement, tu risques de laisser des espaces. Celui qui a les armes, il se défend. Mais celui qui a les armes, attaque aussi. Donc, quelqu'un qui a des armes a des stratégies. Il y a un temps pour attaquer et il y a un temps pour défendre. Si le moment de défendre, toi, tu attaques, tu vas laisser les espaces. C'est pourquoi même les boxeurs, vous savez, les boxeurs, Mike Tyson, quand vous commencez avec à combattre avec lui, lui n'a pas de souffle, mais son âme, c'est attaquer. Donc, il va te taper dans une partie là où tu ne peux pas résister. Amen. Amen. Alors, mes frères, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Les diables jouent avec nous. Mais Dieu a regardé comme ça. Il a dit là, ce sont mes enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé les plus forts. Alléluia. Il est venu sur la terre comme un faible. On les a attaqués. On lui a attaqué. Quand il était né. Déjà, quand il était né là, le combat a commencé. Mais Dieu, notre Dieu, comme il est l'éternel des armées, yes, il avait des armes pour que l'enfant ne soit pas détruit. Amen. Papa, maman, si nous n'avons pas des armes dans nos familles, le diable entrera facilement. Il fera ce qu'il veut. Si nous n'avons pas des armes dans nos vies, le diable entrera facilement et il fera ce qu'il veut. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, je viens parler à l'église aujourd'hui, tu dois avoir les armes spirituelles. Amen. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens aiment les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est bien. Il y a même beaucoup de serviteurs de Dieu qui cherchent à avoir les dons spirituels. La Bible nous enseigne d'avoir des dons spirituels. Mais les dons spirituels, c'est pour l'édification de l'Église. Mais les armes spirituelles, c'est pour ta protection. Amen. Nous avons besoin des dons spirituels. Nous avons besoin des fruits de l'Esprit. Mais nous avons aussi besoin des armes spirituelles. Mais écoutez, frère, on peut te donner une arme. Mais tu dois avoir la connaissance comment utiliser l'âme. Mm-hmm. Si tu ne sais pas utiliser l'âme, tu peux dire. Qu'est-ce que je veux dire? Tu peux dire. Non, toi-même, tu ne sais pas utiliser l'âme au matière. Au quoi promis au moins. Au quoi t'en as âme. Mais âme, il y a un mot au milieu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, le Seigneur nous demande d'avoir des armes spirituelles. Mais nous devons aussi avoir la connaissance de l'utilisation de ces armes. Amen. 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 Si tu prends une arme, tu donnes ça à un enfant.
Si l'enfant ne sait pas utiliser l'arme, il peut tirer comme ça vers lui. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple n'est qu'un par manque de connaissances. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité, la vérité. Alléluia. Et la vérité va vous affranchir. La vérité est l'une des armes spirituelles. Amen. 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 Donc, mes frères et sœurs, dans Éphésiens 5, Éphésiens 5, nous allons le lire. Éphésiens 5, Éphésiens 6, verset 10. Amen. Là, on nous parle des armes spirituelles. Les armes spirituelles des chrétiens. Nous sommes debout, s'il vous plaît. On nous parle des armes spirituelles des chrétiens. Frères et sœurs, depuis que nous sommes devenus chrétiens, on a déclenché une guerre avec le diable. Mon frère, ma soeur, depuis que tu es devenu chrétien, il faut mettre dans ta tête que tu as une guerre avec l'ennemi. Mais tu ne peux pas sortir vainqueur si tu n'as pas les armes spirituelles. Je répète, nous ne pouvons pas sortir vainqueur si nous n'avons pas des armes spirituelles. Quand tu as les armes spirituelles, malgré les combats, c'est toi qui seras vainqueur. Quand tu as les armes spirituelles, frère, malgré les circonstances, tu seras toujours debout. Parce que tu sais que celui qui est en toi est le plus fort que celui qui est dans l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans l'autre côté. Yes, yes, yes. Et si nous connaissons et nous avons cette révélation que nous sommes pas sans armes, mais nous avons des armes spirituelles, même si nous voyons un grand combat, nous dirons que nous avons aussi un grand Dieu. Amen. Et ce Dieu il s'appelle l'Éternel hein? Des armées. Yes. Alléluia. Amen. Si tu sais que tu as des trucs derrière toi, vous savez, Poutine n'a pas peur des Américains. Pourquoi il n'a pas peur des Américains? Il a des armes chimiques. Hein? Nucléaires. Les Américains sont au Mexique. Ils sont au Mexique. Ils sont au Mexique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont négocier. Ils craignent, ils cherchent à négocier parce qu'ils sont faibles. Papa, si tu n'as pas des armes spirituelles, l'ennemi va t'imposer à négocier. Mais si nous sommes forts, nous n'avons pas besoin de négocier avec le diable. Nous n'avons pas besoin de négocier avec l'ennemi. Nous n'avons pas besoin de. Frère, si tu es faible, le diable viendra te poser pour négocier. Bon, enfin, oui. Laisse-moi te dire, tu vas négocier, papa. Pour ton problème, tu vas négocier. Pour avoir la solution, tu vas négocier. Et nous commençons à chercher des voisins moyens. Nous négocions, frère. Celui qui a Dieu ne négocie pas. Amen. Celui qui a Dieu, il sait que dans mon combat, oui, je sortirai vainqueur. Parce que celui que je sais, alléluia, il s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Arrange-moi le micro parce Amen. Que alléluia. Ça me pousse à crier. Amen. Amen. Papa, maman, je veux que quand ils sont là, aujourd'hui, qu'ils puissent comprendre que toi là, celui qui est en toi, il s'appelle, il n'a jamais échoué. Amen. Je n'ai jamais vu dans la Bible Dieu combattre avec une personne et à la fin c'est Dieu qui a échoué. Non. Jamais. Quand vous lisez la Bible, à la fin, oh ya, écoutez frères, à la fin, qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur Dieu, avec son souffle, il va détruire l'ennemi avec son souffle. Frères et sœurs, écoutez, je veux que l'Église puisse comprendre que nous ne servons pas un Dieu qui est mort et qui n'a pas la capacité d'intervenir. Amen. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, il est capable d'intervenir. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je vais descendre.
ils sont sortis de l'Égypte. Derrière eux, il y avait Pharaon. Les Égyptiens, ils étaient derrière eux. Ils ont commencé à trembler. Ils ont dit que non, les Égyptiens, ils sont derrière. Ils regardent devant. Ils voient, il y avait la mer. Ils commencent à pleurer. Ils ont dit, Moïse, il fallait que tu nous laisses là-bas. Nous sommes faibles. On a sans armes. Ils ont prié que celui qui était avec eux, il est fidèle. Amen. Quand il commence la chose, il a la capacité de finir. Amen. Yes. Amen. Il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, je veux dire à une personne, le combat qui est devant toi, ce n'est pas toi qui combattras. Amen. Il a dit, je combattrai pour vous. Amen. Vous avez des Amen. Le silence, c'est aussi une arme. Mais le fait, tu n'as pas besoin de parler. Il y a un combat, laisse Dieu se manifester. Yes. Il y a un combat, entre dans la prière. Dis à Dieu, Seigneur, moi je suis faible, mais je sers un Dieu qui est plus fort. Yes. Amen. Amen. Tu as des armes que tu n'utilises pas. Il y a des fois, tu as des armes. Tu ne sais pas comment utiliser. Il y a des fois, tu utilises, mais tu utilises mal. Il y a des fois, tu as des armes. Mais tu n'as pas le temps de l'utiliser. Frère, écoutez. Tu peux avoir des. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Des pistolets dans ta maison. Tu as des. Karachini, c'est pas qu'on appelle ça quoi? Karachikov. C'est dans ta maison. Hein? Il y a ça, non? Dans ta maison. Mais pour que tu sois plus dangereux, ça demande quoi? Diminution. Ça demande quoi? La munition. Tu peux avoir des armes, mais si tu n'as pas de munitions, même si tu tires, c'est l'énorme, c'est gravitable. Donc tu dois avoir les armes avec les munitions. Donc, quand l'ennemi vient, frère, bien blindé. Il y a des fois où nous invoquons le feu de descendre parce que tu as des armes, mais tu n'as pas de munitions. Il faut que tes armes soient chargées. Amen. Ah oui. Et c'est dans la prière que nous changeons nos armes. Mmh. Vous savez, quand tu es en train de prier là, tu es en train de demander à Dieu, quand tu es dans la prière, tu es en train de charger tes armes. Et quand l'ennemi vient, tu es en train de dire au nom de Jésus. Boum! Yes. Il y a des dégâts. Amen. Dis à celui qui est dans, il y a besoin des armes, monsieur. Tu as besoin des armes. Avec des munitions. Avec des munitions. Il dit à besoin des armes spirituelles. Tu as besoin des armes. Attention avec les munitions. Mais avec des munitions. Il dit à besoin des armes spirituelles. Tu as besoin des armes spirituelles. Il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. Yes. Amen. Parce que nous utilisons mal. Frère, si tu as une arme spirituelle, tu utilises mal, tu vas détruire même ta femme. Tu vas même tuer ta femme. Mm. Bah, tu utilises mal. Tu as des armes. Mais il faut savoir lire. Utiliser. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous, lis-moi les versets là. Éphésiens 6. 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes. Il dit, revêtez-vous. Amen. Amen. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes. On dit toutes les armes. Tu dois avoir toutes les armes pour que tu sois protégé de la tête aux pieds. Yes. Amen. Amen. Tu dois avoir toutes les armes pour que tu puisses être protégé de la tête aux pieds. Quand vous voyez même les policiers là, quand il y a, qu'est-ce qu'on appelle ça? Il y a des marches, des manifestations. Ils viennent avec toutes les armes. Hein? Ils viennent avec des boucliers. Ils ont des casques. Ils ont des antibales. Ils ont des chaussures. Tout ça, c'est pour la protection des armes. Revêtez-vous de toutes les armes. Nous avons besoin d'être revêtis de toutes les armes. Continue. Afin de pouvoir tenir ferme. On dit les armes de qui? De Dieu. On dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Ah. On dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Pour dire que les armes que nous avons, ce n'est pas nos armes. Les armes que nous possédons, ce n'est pas à nous. C'est les armes de Dieu. Et pour bien utiliser ces armes, tu dois avoir la connaissance de celui qui t'a donné les armes. Amen.
On parle des armes de Dieu. Parce que les hommes aussi, ils ont leurs armes. Vous savez, les armes des hommes, ce n'est pas les armes de Dieu. L'homme se défend selon ses pensées, selon son, sa manière. Mais Dieu ne défend pas comme un homme. Alléluia. Amen. Dieu ne défend pas comme les hommes. Amen. Nous avons notre système de nous défendre. Mais Dieu aussi a son système de se défendre. Yes. Et quand il y a les armes de Dieu qui te défend, avec les armes de Dieu, tu sortiras toujours victorieux, frère. Amen. Yes. Les armes de Dieu. Un. Pourquoi les armes de Dieu? Écoutez maintenant la réponse. Pourquoi les armes de Dieu? Pourquoi nous avons besoin des armes de Dieu? Pour tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, pour tenir ferme, parce que, frères et sœurs, vous savez, le diable, c'est... il est tellement rusé. Alors, pour que tu sois quelqu'un qui ne doit pas tomber, quelqu'un qui ne sera pas trompé, quelqu'un qui sera ferme, tu dois avoir les armes de Dieu. Amen. Parce que l'ennemi, il sait ta faiblesse, il connaît là où peut entrer. Il sait que si je viens, je fais justice par rapport à l'argent, il est calé. Amen. 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 Mais si je viens chez lui par rapport, par exemple, c'est un exemple, hein, par rapport au sommeil, je vais prendre des frères justice. Donc, le dimanche là, donc, on y a la macasse à 9h30. Alléluia. Amen. Mais maintenant, si tu n'as pas les armes spirituelles, frères et sœurs, tu ne vas pas te réveiller. Mais si tu as les armes spirituelles, tu diras, malgré la faiblesse, j'irai adorer mon Dieu. Amen. Et quand tu vas te réveiller, tu prends, qu'est-ce qu'on appelle ça, ton train vient, le bus, quand tu arrives à l'église, au ciel, il commence à clamer. Oh, amen. 1 à 0. Amen. Alléluia. Amen. Au ciel, ils disent quoi? 1 à 0. Mais quand maintenant, toi, tu dis non, il y a beaucoup de dimanches. Je dors aujourd'hui, j'irai l'autre dimanche. Tu ne sais pas ce qu'il peut affronter dans la semaine. Mmh. Alléluia. Amen. La victoire, notre victoire. Amen. C'est d'abord dans la chambre, dans la prière. Jésus-Christ a vaincu Golgotha parce qu'il est allé à Gethsémané. Amen. Il est allé prendre ses armes. Et malgré qu'on le crucifié, Amen. Amen. Il a dit, je suis venu pour cette mission. Yes. Je suis en train de jouer le hyper gagne. Vous me crucifiez, mais vous ne savez pas que quand vous allez me crucifier, il y aura des plusieurs, des milliers de gens qui seront sauvés pour que Dieu puisse avoir la victoire dans son combat. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des fois dans les combats, tu te sens faible. Amen. Amen. Frères et sœurs, tant qu'on n'a pas encore sifflé la fin du match, même si on est en train de vous gagner 3-0, mais tant que, remontada, tant que le Seigneur n'a pas encore sifflé, frère, même si aujourd'hui tu as 85 ans, sans enfants, même si tu as 90 ans, Acquittez dans le soir. Allez-y demander, aux Algériens. Cameroun. Allez-y demander aux Algériens qu'est-ce que Cameroun les a fait. Ils ont marqué. Au lieu d'être prudent, ils commandent des armes. Dernière seconde, il y avait une arme qui. Toko et Kamba, si c'est Toko et Kamba, il est tellement, rusé, il est tellement, pas malin, il est tellement idiot. Il ne sait pas qu'il n'a pas de la vie, il a Yesu. Après, il y a Pounissi, il y a Souka. Amen. Bah, on s'est fait là. Laisse tes ennemis se réjouir. Laisse-les parler. Ils ne savent pas que toi qui es et toi qui es Kama. Amen. Bah, on l'est là, frère.
Mais pas qu'on l'affaire. Amen. Laisse-les acclamer, laisse-les dire à ton gagné, non, vos gagnés. Tant que nous sommes encore vivants, il y a encore de l'espérance. Amen. Il y a encore match. Tant que nous profitons, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Amen. 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 Aïe. Frères et sœurs, nous, on peut vous asseoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il faut avoir l'attitude d'un gagnant. Hein? Ayons l'attitude des gagnants. Amen. Amen. Ayons l'attitude des gagnants. Vous savez, quand nous avons cette attitude, frères et sœurs, on aura la confiance. Vous savez, quand il y a la confiance en ton Dieu, malgré qu'il y a la turbulence, il y a des choses qui ne marchent pas bien, tu es toujours assuré que celui qui est à toi, c'est lui qui est le gagnant des gagnants. Amen. 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 Donc les armes de Dieu pour pouvoir tenir, faire contre les ruses de l'ennemi. Amen. Et bon, je vais sauter d'abord verset 12, je prends verset 13, et après je vais revenir au verset 12. Parce que nous sommes en train de parler pourquoi nous sommes en train de chercher à être revêtus par les armes. Les 13, la Bible dit quoi? 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ah, premièrement, c'est de pouvoir résister, de pouvoir tenir ferme contre le risque de l'ennemi. Donc, quand il écrit, les gens qui écrivent, nous avons besoin des armes spirituelles. La première des choses, c'est pour pouvoir tenir contre les ruses du diable. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est de pouvoir résister dans les mauvais jours. Hein? Et tenir ferme après avoir pu surmonter. Frère, nous sommes des chrétiens, il y a des fois, nous passons des moments difficiles. Amen? Il y a des fois, tu passes vraiment des moments, tu vois comme si je n'étais pas là. Il y a des fois, tu es en train de faire des choses, ces choses ne marchent pas. Il y a des fois, nous avons le sentiment que l'onction de Dieu n'est pas là. Il y a des fois, nous voyons comme si Dieu est en train de dormir. Mais si nous avons les armes spirituelles, frères et sœurs, nous n'allons pas nous décourager. Parce que l'ennemi viendra toujours pour nous affaiblir, pour dire que c'est fini. C'est fini, tu ne peux plus réussir dans tout ce que tu es en train de faire. Donc nous avons besoin des armes spirituelles pour pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Ça c'est la première des choses. Et c'est pour pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Maintenant il est 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de l'air, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc les armes spirituelles, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour combattre les hommes. Nous avons besoin des armes spirituelles, ce n'est pas pour combattre les hommes. Pourquoi? Parce que les armes que nous sommes en train de chercher, ce sont les armes, premièrement, les armes de Dieu. Dis les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Alors, quand nous combattons avec les armes de Dieu, nous allons combattre par rapport, conformément à ce que Dieu veut. Ce n'est pas par rapport à nos sentiments. Parce que l'homme a tendance de se venger. L'homme, dans son combat, il a tendance de se venger. Hein? L'homme, dans son combat, il a tendance de se justifier. Amen. Deux. L'homme dans ce combat, il a tendance à tirer beaucoup des hommes vers lui. Tu peux être seul avec beaucoup de gens devant toi. Si tu es avec Dieu, c'est toi qui sortiras vainqueur. Amen. 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 Ce n'est pas le nombre des gens qui peut te faire un homme puissant. Si tu as Dieu, ils peuvent être 3000, 5000. Mais si toi tu es seul avec Dieu, la victoire est dans ton côté. Amen. Voilà pourquoi quand tu combats, il faut mettre dans ta tête, est-ce que le combat, est-ce que ce combat, je suis en train de combattre
avec Dieu, ou bien Jésus a les combats forcément avec les hommes. Quand tu combats avec Dieu, même si aujourd'hui tu n'as pas la victoire, laisse le temps au temps. La victoire viendra. Amen. Alléluia. Laisse le temps au temps. La victoire viendra. Donc, nous ne combattons pas les hommes. Mais nous combattons les autorités. Vous savez, dans la vie, il y a des autorités démoniaques. Dans nos familles, il y a les autorités. Vous allez voir dans d'autres familles, les femmes ne se marient pas. Parce qu'il y a une autorité qui empêche les femmes de se marier. Tu peux voir dans une famille, les hommes ne travaillent pas, les hommes sont toujours pauvres. Pourquoi? Parce que dans cette famille, il y a une autorité qui empêche les gens de devenir riches. Regardez les Africains, regardez les Congolais, regardez les Camerounais. Vous allez voir que quand ils regardent un Congolais, tu vas voir, il y a des choses qui se ressemblent. Quand tu vois un Français, tu vas voir, il y a des choses. Donc, il y a des autorités qui sont là, qui ont des lois. Amen. Qui établissent des lois. Que quand tu es dans cette famille, tu mourras à l'âge de 40 ans. Quand tu es dans cette famille, tu ne peux pas avancer. Quand tu es dans cette famille, tu feras ceci. Il y a des lois établies. Mais pour que ces lois soient détruites, nous avons besoin des armes. Tu as besoin des armes spirituelles. Parce qu'il y a des lois. Et des fois, tu as envie de changer. Mais il y a une loi établie dans ta vie. Il y a le désir de faire le bien. Mais il y a une loi établie. Toi-même, il y a des fois, tu ne comprends pas. Je prends la décision de ne plus être un ivrogne. Deux jours, tu supportes trois jours, quatre jours, un mois. Après deux mois, tu tombes toujours dans la chose. Donc, il y a une loi établie. Les gens qui fument, tu deviens chrétien. Mais il y a une loi qui est là. Que toi, tu seras toujours comme ça. Tu es marié, mais il y a une loi qui est qui est établie dans ta vie. Tu es une femme mariée, mais à côté, tu as d'autres hommes. Une loi établie. Mais pour que cette loi soit écrasée, tu as besoin des armes spirituelles. Tu as besoin des armes spirituelles. Nous combattons contre les autorités. Tu vois qu'il y a un pouvoir. Enfin, là où il y a une autorité, il y a le pouvoir. Si tu n'as pas la force par rapport à ce pouvoir. Et là, on parle des liens héréditaires. Là, il y a le pouvoir, frères et sœurs. Tu es comme un animal attaché. Voilà pourquoi Jésus, il a envoyé ses disciples pour aller détacher cet animal. Mais frères et sœurs, si il y a une autorité, frère, tu es comme un esclave. Tu ne peux pas bouger. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas bouger. Mais tu as besoin des armes spirituelles pour t'en sortir. Tu as besoin des armes spirituelles. Amen. Nous ne luttons pas, frères et sœurs, contre les hommes. Mais nous luttons contre les autorités. Quelle est l'autorité qui règne dans ta vie?
Écoutez, si Jésus-Christ ce n'est pas ton autorité, donc il y a une autre autorité qui est là. Alléluia. Alors pour que cette autorité puisse être anéantie, il y a besoin de cette autorité qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous ne luttons pas contre les hommes, frères. Parce que les armes que nous possédons, ce sont les armes de Dieu. Ce ne sont pas nos armes, frère. Nous luttons contre le pouvoir, les autorités. Il y a quelque chose qui est en toi, qui te domine, qui n'arrive pas à te débarrasser. Même si tu prends la décision, mais la chose là est plus forte que toi. Et tu te poses des questions, Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais te dire aujourd'hui, ce matin, ce que tu dois faire, d'abord, c'est avoir des armes spirituelles. Amen. Avoir les armes de Dieu. Dis un, avoir les armes de Dieu. Amen. Deuxièmement, savoir comment utiliser ces armes. Alléluia. Amen. Et troisièmement, c'est quoi? Qui peut me donner la réponse? Avoir les armes, comment utiliser les armes? Troisièmement, des munitions. Et quand il tire, tu ne tires pas pour blaguer. Amen. Paul dit, quand je frappe, je ne frappe pas pour blaguer. Le diable, c'est un menteur. Il est méchant. Alors, quand il y a des armes spirituelles, comment vous dites, mon matin, quand ça va prier, il dit, oh, que dans la vie, les démons, sors au nom de Jésus. Mais sors au nom. Celui qui a des armes dans la caractère, pour eux, il y a un soldat. Nous combattons par rapport à qui? Aux autorités. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, nous combattons qui? Ça, on a continué la lecture. Les autorités, deuxièmement. Aujourd'hui, nous allons détruire. Nous combattons contre la chair, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Vraiment, nous combattons contre quoi? Nous combattons contre quoi? La chair. Ni chair. Ni chair et sang. Ni chair et sang. Chair et sang. Dans les premiers combats, ce n'est pas les autres. Les premiers combats, c'est toi-même. Amen. Notre premier ennemi, ce n'est pas celui qui est en face de toi. Mais ton premier ennemi, c'est toi-même. Amen. Quand tu comprends que le premier ennemi, c'est moi-même, frères et sœurs, tu sauras comment combattre. Parce que mes frères, quand nous devenons chrétiens, la Bible dit, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, le premier ennemi de ta vie, c'est toi-même. Je donne un exemple. Ton corps est le temple de mon corps. Et le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le temple de Dieu, continue. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mais maintenant, si ton corps, tu l'utilises mal. Amen. Amen. Tu es en train de détruire ton corps. Donc, tu deviens un ennemi de ton corps. Donc, nous combattons contre la chair et les sang, frères et sœurs. Écoutez-moi très bien. C'est ça le message que je prêche souvent. Le corps que nous avons appartient à Dieu. Nous devons protéger le corps qui est le temple du Seigneur. Mais la chair commencera à te combattre toi-même.
tu veux devenir riche. Tu vas aller toucher au gris-gris. Tu vas aller chercher les marabouts. Mais pour te libérer, il faut que tu puisses combattre d'abord ta chair et laisser Dieu se manifester dans ta vie. Mais pour combattre ta chair, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois utiliser les armes spirituelles. Alors maintenant, nous allons commencer à énumérer les armes de Dieu dans la Bible. Première arme. Continue à lire, ma sœur là. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Première arme. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Dis vérité. Vérité. Dis vérité. Vérité. Le contraire de vérité, c'est quoi? Mensonge. Tu peux t'asseoir. Tu vas dire après. La vérité, frère. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Frère, pour te débarrasser de tout ce que l'ennemi peut mettre dans ta vie, tu dois connaître la vérité. C'est une arme très importante, frère. La vérité, c'est une arme très, très, très importante. Frère, si tu n'as pas la vérité, si tu ne connais pas la vérité, tu vas faire n'importe quoi. Amen. Amen. Écoutez, Dieu a dit à l'homme, je te donne tout. Amen. Tu peux manger tout ce qui se trouve dans les jardins. Dieu a parlé à qui? À l'homme. Et l'homme a transmis à sa femme. C'était la vérité ou bien les mensonges? La vérité. Alors, les mensonges, c'est la vérité, mais mélangée avec d'autres choses. Alléluia. Alors, le diable va se présenter. Il dit à l'homme, il dit à la femme, Dieu ne veut pas que vous puissiez devenir des dieux. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Donc l'homme était Dieu. Amen. L'homme avait le pouvoir. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Il a dit pour déstabiliser l'homme, pour gagner l'homme. Je vais venir avec la vérité, mais mélanger avec d'autres choses. Amen. Il vient, il dit à la femme, regardez l'âme du diable. Est-ce que Dieu a réellement dit? Amen. Quand le diable vient te combattre, il viendra avec le doute. Hein, pour que tu puisses pas avoir la connaissance de ce que tu es. Il a dit non. Dieu ne veut pas que vous puissiez manger parce que quand vous allez manger, vous allez devenir des dieux. Oh, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était déjà Dieu. Amen. Amen. Le diable viendra pour t'embrouiller. Amen. Amen. Je prends. Écoutez. Oh Jésus. Viens mon frère. Tu es un homme, non? Tu es qui? Tu es un homme. Venez la tolérance. Le peut se décider comme il veut. Tu peux choisir ton sexe. Si tu veux devenir femme, tu deviens femme. Il veut te donner le doute. Même nos enfants, il faut enseigner les enfants. Parce qu'à l'école, on leur dit, un enfant qui est un garçon, on te dit non, tu peux choisir ton sexe. Tu es homme, mais tu peux devenir femme. La femme dit, oh, mais c'est mieux, non? Pour Monica, moi, on a changé comme il est là, ma femme. Hé, mais quoi? Papa, j'ai bien choisi quoi? Vovo! Vrai ou faux? Vrai! Madame, vous nous fiez à vous, les gars, si. Confiance. Écoutez, avant, ces gens-là se cachaient. Quand nous étions en Afrique, les prostituées s'est cachées. Les gens qui allaient en fil de moi, il y en a pas mal, ça va à Numba. À Nobomba. Il y a l'habité. Sous Nobomba, nous organisons des bénédictions. À Mibinissa. Il a dit non. Si vous mangez,
C'est comme si je prends le frère Justice, qui est un homme. Je lui ai dit, frère Justice, hein, Patron ma kissoa, Patron ma kissoa. Tu vois comme c'est là. Tu vends ton âme au diable. Quand tu vends ton âme au diable, tu vas devenir, tu vas avoir le bonheur. Tu vas devenir superstar. Mais il y a une condition. Amen. Il y a une condition. Si tu veux devenir comme ça, alors tu changes aussi ta façon de faire. Tu vas devenir un homme. C'est comme si j'appelle ma soeur maintenant. Tu es une femme, non? Est-ce que tu sais que tu es une femme? Est-ce que vous savez qu'elle est une femme? Oui. Hein? Elle est une femme! Maintenant, si elle n'a pas la connaissance, elle n'a pas la vérité de son identité, je peux la tromper. Je vais te dire, ma soeur, si tu m'aimes, tu vas devenir une femme. Alléluia. Amen. Mais si elle sait qu'elle est une femme, elle comprend directement que cet homme, c'est un homme avant. Donc, parce qu'il a la vérité. Tu vas voir quelqu'un qui est même chômeur. Tu sais qu'il est chômeur. Il te dit, maman, il y en a la bonne. Il y en a quatre là-bas. Il y en a bonne. Sept là-bas. Il y en a une dans la machine. Tu comprends dans le ciel? Non, Pierre. Si une seule, il y en a une dans le ciel. Il y en a maintenant à 3000. Ah oui, c'est un enfant prié. Alléluia. Mes frères et sœurs, pour que tu sois un homme libre, pour que tu ne sois pas prisonnier du diable, tu dois connaître la vérité que toi là, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'image de Dieu. Tu es la créature de Dieu. Dieu t'a créé une créature merveilleuse, frère. Amen. Vous savez, on a changé la vérité pour dire que non, les Noirs étaient maudits. Et nous acceptons cette vérité. Que Dieu avait maudit les Noirs. C'est faux. Dieu n'avait pas maudit les Noirs. Dieu a maudit Canaan. Mais nous ne sommes pas maudits, frère. Mais cette contre-vérité est restée dans notre vie. Tu comprends bien dans l'idée? Banane Malia. C'est eux qui savent tout. Devant un blanc qui devient complexé. Contre-vérité. Mais quand il y a cette arme-là qui est la vérité, il va dire, c'est un homme. Moi aussi, je suis un homme. Si lui peut progresser, moi aussi, je peux progresser. Si lui peut réussir, moi aussi, je peux réussir. Amen. Alléluia. Amen. Si ils sont dans une famille riche, moi aussi, je peux devenir une famille riche. Alléluia. Amen. Tu te vois devant le miroir, tu peux t'asseoir au milieu de l'ordi. Taille on a un amour. Est-ce que mon bal est alors le diable vient te dire, on a banni, on a zolo, on a un amour. Donc, tu as la race célibataire. Maman, prends soin de ton corps. Ne te laisse pas, sois propre. Le diable viendra te mettre des doutes. Il va te décourager. Ça, ce sont des armes du diable. Mais quand tu connais la vérité, tu sais que non, tu es un homme. Tu sais que tu as des capacités. Tu sais que tu peux avancer, frères et sœurs. Même s'il y a des découragements, tu ne vas pas te décourager. Parce que tu sais que notre Seigneur Jésus, c'est lui qui est la vérité. Mais quand tu ne connais pas la vérité, vous savez, quand la femme a accepté, qu'est-ce qui est arrivé? Il a fait quoi? Premièrement, il a fait quoi? Là? Et quand il a mangé? Il a donné son mari. Qu'est-ce qu'il a donné à son mari après? Ils se sont donné compte qu'ils se sont nus. Mais avant, ils étaient comment? Ils étaient nus. Avant, Adam et Ève étaient comment?
pas devenus nus. Je vais la réponse. Ils sont devenus nus ou ils ne sont pas devenus nus? Ils sont toujours nés. Dis avant et après. Dis à son autre côté, avant et après. Dis avant, avant et après. Dis avant et après. Dis où est la vérité? C'est avant ou bien après? Où est la vérité? C'est avant ou bien après? Avant ils étaient nus. Après ils étaient nus. Mais où est la vérité? C'est avant ou bien après? Reste avant. J'arrive. Quand tu connais la vérité, frère, le diable ne viendra pas te déstabiliser. Oui, j'ai 50 ans. Oui, j'ai 50 ans. Oh, ah, j'ai l'équipe. Mais pas de voyage de son gaga. Parce que là, je suis la journée, maman. Son gaga, son gaga. Ah non, sur la journée. Non, non, choix. Maman, je suis dans le zone, maman, maman, pour toi, on a 50 ans, nous, attends, dans cette bassine, là, il y a encore ma 8e. Non. Non, tire la carte. Avance, papa, avance, avance. Ça va, on a chinois. Là encore. Avance. Si tu as la connaissance de ce que tu as, nous t'en serons dit. Ah oui. Personne ne viendra jouer avec toi, frère. Ouais. Femme, si tu connais ce que tu y es, ce que tu y es, aucun homme ne viendra jouer. Parce que tout le monde va mettre l'air à l'eau, mais on a évité d'aller dans sa gamme, non, ok, la vérité. Maintenant, nous sommes en souci, mais dans 4 ans, elle dit que nous sommes en sa gamme. Mais si tu as l'âme de la vérité, t'as un soir, on a flash. Il rime et il rime. Parce que ça reste le temps, parce que c'est un homme. Donc, t'as un soir, quand on m'a demandé, oh, c'est contredit. Hein? Il dit que je reste avant. Je ne veux pas. Amen. Amen. Donc il faut chercher à connaître dans ces pays, frère. Moi, je fais la formation. Parce que la lembi au Tinder dans le chantier. La vérité, connaître, frère. Pourquoi nous allons à l'école? Pourquoi? Frère, quand tu connais, personne ne jouera de toi. Quand tu as la connaissance de quelque chose, personne ne viendra te. Quand tu as la vérité, tu connais. Jésus dit, je suis le chemin, la vie. Quand tu connais Jésus, le diable ne peut pas te trouver. Quand tu connais la vérité, c'est Jésus. Quand tu connais Jésus, frère, le diable ne peut pas te manipuler. Quand tu connais Jésus, tu seras ferme. Même dans les temps de souffrance, tu seras là, tu vas attendre le temps de Dieu. Yes. Tu vas dire que mon Dieu est fidèle. Amen. Mon Dieu ne marche jamais. David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas, parce que son bâton et sa houlette me rassurent, frère. Quand tu connais la vérité, frère et soeur, même s'il y a des dangers devant toi, tu sais que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est devant toi. Vous savez, quand tu as la vérité, même si les autres pleurent, toi tu sais que mon Dieu, il est le rédempteur, il se lèvera en dernier. Je sais que mon Dieu ne marche jamais. Je sais que mon Dieu ne rejette pas ses enfants. Je sais que mon Dieu ne me laissera pas. Il viendra. Il est mon secours. L'épislamiste dit, si je lève les yeux vers la montagne, il me viendra le secours. Et c'est pour me venir de l'Éternel qui a fait ici la terre. David a compris devant Goliath. Les frères de David, ils n'avaient pas la vérité. Ils n'ont pas compris que celui qui était devant eux, il était un incirconcis. Ils ont eu peur quand Goliath parlait. Il tremblait. Mais David avait une vérité. C'était son âme.
Il a dit, quand j'étais dans la brousse, quand le loup venait, quand le lion venait, pour dévorer les brebis, il avait la vérité que le Seigneur lui donnait une force de l'écraser, de détruire le lion. Donc quand il a vu Goliath, il ne voyait pas un homme, il voyait un oiseau. Yes. Il y a des fois, tu combats, combats, combats. Non, tu n'as pas besoin de combat, combat, combat. Tu as besoin seulement de la pierre. Amen. T'as entendu, mais vous devez à nous ramener. Vous devez à nous ramener. Donne-moi ton téléphone. Vous savez que nous avons 2500 zombies. Téléphone, il a cher. iPhone. Et puis, nous, c'est la plus locale. Frère Fiston. Il y a un iPhone, il y a un zombie iPhone. Mais frère Fiston, il y a un iPhone dans la cadre. Application, il y a un iPhone. Au zombie iPhone, il y a 2500 euros. Il y aura pas de bien dire aux réponses. Sauf à nos cas, il y a 3 filles, il y a 30 euros. Parce que les applications qui sont là, nous, il y a des motifs. C'est pourquoi il y a des fois, vous avez un téléphone, 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 2 minutes. Il faut connaître la vérité. Et la vérité va vous affranchir. Si tu n'as pas la vérité, tu passeras beaucoup de temps dans ton combat. Mais si tu as la connaissance et tu as la vérité, il n'y aura pas beaucoup de temps. Tu ne vas pas t'ennuyer, tu ne vas pas avoir peur, tu ne vas pas te décourager. Parce que tu sais que celui qui est avec toi, il ne s'ouvre jamais. Amen. Yeah, y'en a. Dans la vie, dans nos alarmes, tout. Amen. Yes. Nous m'offrons, il va y aller aux alarmes. La vie et la mort. Je dois voir. Il y a pour toi. Pour toi, passe. Pour toi, passe. Oui, mais la vérité. Ils sont venus, non. Pour toi, passe. Attends, on va passer au 4 rejets. Tu sais que la Bible dit là où je foulerai les plantes de mes pieds, Dieu me donnera cet endroit comme possession. Même aujourd'hui, il y a un rejet. Même demain, il y a un rejet. Je ne veux pas me décourager parce que c'est Dieu qui a permis que je puisse poser mes pieds en France. Avec que pourra, je serai récompensé, frère. Tu ne sais pas sans papier. Ou ça, ça me donne à cause de manque de vérité. Toi-même, tu te donnes un nom. Non, célibataire, non. Ne dis pas que tu es célibataire. Dis, je ne suis pas encore marié. C'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas que tu es célibataire. La vérité, c'est que je ne suis pas encore marié. La vérité, ce n'est pas que tu es stérile. La vérité, c'est que je n'ai pas encore d'enfant. Mais ils vont venir. C'est ça la vérité, frère. Parce que la Bible dit, dans son pays, il n'y aura pas de femmes. Accroche-toi de cette vérité. Même si les temps passent, accroche-toi de cette vérité. Même si les gens vont parler, accroche-toi de cette vérité. La vérité finira par dire. Amen. Amen, amen, amen. Ah, il y a la vérité. Nous qui sommes là, quand on a commencé ici, quand on est venu en France là, ton nom aujourd'hui, c'est pas ton demain. Quand je dis ça, il faut donner à l'aide là. C'était une. C'est sûr, mes frères et soeurs. À moi, j'avais une vérité, frère. Mais bateau, on a mis sous. Mis sous, il y a un moment là. On a dit, mon commerce. Mais ils ne savent pas que la carte, c'est là. Papa, je dis. Et ma caméra, on a gâté. Amen. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça fait là. Pour que vous ayez raté,
Je pensais qu'ici, en Europe, c'est en colère. Je pensais que tous les gens qui sont en Europe sont propres, ils ont des teintes compliquées. Donc, on a ma photo. Oui, la victoire, les gens qui étaient en Afrique, la victoire, on a la photo à Parisien. Oui, oui. Non, on a dit, on a la victoire, on a la photo à Parisien. Sous sa photo. La vérité est vraie. Ma soeur était en Europe. On est moins européen, bon, viens. J'arrive à l'Europe comme ça. Pourquoi? Où est Coulé? On m'a amené au château rouge. Ce qu'on va témoigner, les tentiques que je voyais en Afrique là. Même quand on est parti en Afrique, il y a tout qui est venu. Il y a des tentiques qui sont venus. C'est ça la vérité, frère. J'arrive comme ça chez ma soeur. Moi, je pensais que ma soeur a un ville avec des piscines. Tout. On arrive comme ça. On entre comme ça. Mais c'est normal. Alors moi, je sais que non, comme je suis arrivé, comme l'Europe. Donc demain, on va aller à la banque là où on donne les Parisiens l'argent. Donc quand tu arrives en Europe, donc il y a une banque. Quand tu arrives aujourd'hui, demain, il y a une banque. Parce que les gens qui sont en Afrique, là, ils savent qu'il y a une banque là. Chaque fois, ils appellent, j'ai besoin de 1000 euros. Hein. Toi qui vas à la banque, ils te montrent le coup de fil là. Tu as dit, mon frère a besoin de 1000 euros. Et la banque débourse 1000 euros pour donner à ton frère parce que... Ah ouais. Ils savent pas la vérité, frère. Ils savent que ici en Europe, vous savez, quand on va en Afrique là, tu me dis, mais là, sika. Maintenant, en Afrique, ils savent qu'ici, il va être le match à la télé. On va en Afrique, on va même que des vêtements qui ne savent pas qu'ici. C'est pourquoi les gens rêvent. Et après, un coup, ma soeur m'a dit, bon, c'est ton jour. Moi, j'ai dit, ah, c'est mon jour. Je pense que c'est le jour d'aller prendre l'argent à la banque. Il m'a mis. Et ils vont m'amener avec son mari, au moins 70 km de chez eux. On arrive comme ça dans la voiture. Il me dit, eh mais, tu vois là où les gens arrivent là. Allez-y, entrez là-bas. Moi, je dis, je ne parle pas dans le mari. Oui, poto. Dis-moi, ma Azim, on va te parler. Merci, madame, t'es maman bien. Frère, il y a des fois nous passons des temps. C'est comme si Dieu est en train de nous maltraiter. Non, Dieu est en train de te préparer pour connaître la vérité. Et quand tu connaîtras la vérité, frère, c'est ça. Le diable ne viendra pas pour te bâtir. Amen. C'est Mangonda. C'est là où j'ai vu la vérité. Que l'Europe, ce n'est pas le paradis. Je suis là pour m'arrêter. Il a peut-être assez après le colon. Et reste moi j'étais chrétien. Et il fait le douaou, moi la vie chantaille à Bobouchika. Je savais que même si je suis ici, ce n'est pas la fin de mes jours. Un jour, le Dieu que je sais, il va me sortir de cet endroit. Frère, même si tu es dans un endroit bloqué, mais quand tu as la vérité, tu sauras que notre Dieu, c'est le rédempteur. C'est lui qui prend la dernière décision. Quand il va dire quelque chose, les choses vont changer. Je suis en train de prophétiser pour une personne que les choses changeront. Tu ne resteras pas comme Dieu.
faut pas avoir peur. Je ne sais pas si je vais expliquer toutes les armes, mais je parle de la vérité. Ne regarde pas comme les hommes regardent. Il va te fatiguer. Il va te décourager. Tu vas dire c'est dur. Tu vas dire ah, je n'en veux plus. Mon frère, tu étais venu ici, ça va bien, non? Les frères. Il est venu ici, ça va bien, non? Il est venu au bureau, le pasteur. Samuel, on a prié. Avant et après. Tu vois, avant, peut-être que le frère Boba là, c'est arrivé à l'heure là. Ah, frère. Bonjour, c'est ma soeur. Bonjour. Ah, tu vois, c'est vrai. Ici en Europe, même leurs parents, ils leur disent Zoram Bala Mukanda. Est-ce que quand tu étais venu en Europe, tu étais venu avec le Mukanda? Non. Si tu connais la vérité, tu seras stable dans la vie. Tu auras la stabilité. Reste avec ce que tu as et attends le temps de Dieu, mon frère. Ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Jésus-Christ est vivant. Les armes spirituelles, il y en a beaucoup. Donc je ne parle pas, c'est pas de la vérité. C'est la ceinture. Si tu ne veux pas être nu, tu dois avoir la ceinture. Vous savez, si j'enlève ma ceinture, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait quoi? Et si le pantalon tombe, ça fait quoi? C'est quoi la nudité? C'est la honte, non? Ah, c'est scandale. Va te la ceinture. Hein? Va te la ceinture. Avant, vous savez, avant, année 1970, comment les femmes s'habillaient? Frère, la vérité n'est pas qu'il faut la télé monter pour balader. C'est pas ça. Parce que nos soeurs, nos frères, nous avons tendance que pour que l'homme puisse me voir, il faut que je mette ça ici, non? Il peut être comme ça. Mais on te voit. Tiens comme ça. Ça, c'est Ève. Ève était comme ça. Le diable est venu. Il a dit, Ève, au bête, il a béni. Yo, mon amour, on a checké, il a été bâché. Oh, mon ami, on s'est osé à la page. La vérité, ce n'est pas eux. La vérité, c'est le Seigneur. Amen. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne te conforme pas au siècle présent. Ce que les autres font, ce n'est pas ça la vérité. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu, frère. Le diable vient, il parle et parle là-dedans. Vous avez 1970, on était comme ça, non? Après 1980. Amen. 1990. C'est le monde qui nous montre que c'est eux qui ont la vérité. 2021. Tu vois les photos? Normal. Si vous avez un mot, vous n'avez pas dit autant de bonheur. Amen. La vérité restera là. C'est pourquoi, mes frères, quand on poche la vérité, beaucoup de gens sont touchés. Beaucoup ne sont pas quand même. La vérité, non, est-il la vérité?
pas ça. Et à A, mais pas dans 1000 jours. C'est très important, frère. Utilise la vérité dans ta bouche. Sois vrai. Ce n'est pas ce que tu dis qui soit contraire à ce que tu dis. Tu es en train de penser. S'il faut dire non, il faut dire non. Yaya. Si on dit au limite, il faut dire non. Il ne faut pas dire oui, mais dans ton intérieur, tu as le non. C'est mauvais. Reste vrai. Quelqu'un vient te demander quelque chose, tu n'as pas ça. Mais tu ne veux pas. Il dit non. C'est pourquoi moi je ne promets pas aujourd'hui qu'ils soient en Afrique. Tu me demandes quelque chose, si je n'ai pas ça, je te dis non, pour le moment je n'ai pas ça. Et je ne te promets pas. Parce qu'ils sont terribles. Hein? Tiens, mais si tu fais voir aux, aux gens qui sont en Afrique, c'est comme si tu es... c'est comme si tu es ministre de l'intérieur. Ou quand ça va, ou quand il faut faire un petit mot, au contraire, mon gars, on ne trouve pas dans un magasin, à tout un magasin. À Kaladi Vesto, Kanakani. À Kaladi Vesto, Kanakani. À Kaladi Vesto, Kanakani. À Kaladi Vesto, Kanakani. Les gens qui viennent en Afrique, ils auront la. Soyons vrais. Amen. Soyons vrais. La vérité va te sauver. Quand j'ai faim, tu dis, papa, papa, je vais dire, j'ai faim. Qu'est-ce que tu vas faire si tu as quelque chose? Mais non, non. Mais quand je fais, ok, au lieu de créer, au lieu de... Bon, je vais finir par une histoire. Rien à m'en faire. On était avec un ami. On avait fait. On était parti à côté de Kassavubu. On venait à pied. Et mon ami dit, ma tante, elle reste ici. On va en entrer. La bourse, elle est en Mika. Mika, la foufou. Tante, ma bolia, on est en train de la tête. Et manger. Non, on ne l'a pas fait. Elle a insisté. Dans nos yeux, vous dans la tête, vous avez. Oh. Mais vous êtes dans ça. Quand tu es devant Dieu, frère, si tu as besoin du mariage, ne dis pas Seigneur, j'ai besoin du travail. Et je ne sais pas si tu as compris. Quand tu viens prier, tu as besoin. Qu'est-ce que j'appelle ça? D'un séjour, dis Seigneur, moi j'ai besoin d'un séjour. C'est pourquoi je dis à l'église, frère, les gens qui viennent ici, tu viens à l'église, tu n'as pas l'argent. Viens lui dire, parce que moi je n'ai pas l'argent, j'ai besoin de quoi? De coupons, je vais te donner. Ne fais pas l'orgueil comme si tu as l'argent, offrir la cagnotte ou non. Maintenant, les gens de l'église passent comme ça. Il te voit comme ça, quand on a dit, parce que tu n'as pas payé. Si tu n'as, je ne veux pas que les gens puissent va sauter à la banine pour l'église. Pour que nous passions là, quand on a pour l'église. On va contre la soif pour l'ensemble. On va contre la soif pour l'ensemble. On va contre la soif pour l'ensemble. Amen. Amen. Sois vrai. Hein? Sois vrai. Tu veux proposer à une soeur. Pour marier la sœur, la sœur, comme je suis là, je n'ai pas de séjour. J'habite chez mon frère. Ou bien, elle a un salon. Elle a un peu de salade. Mais elle a la qui, papa, papa, Brasil, n'aime pas la qui. La qui, maman, il ne faut pas mon lame, on a la caille, on a beaucoup ça pour la caille. On a la caille. Même si on est dans la foyer, on a la caille. On a la caille. Si vous m'avez dit, mais la vérité, j'ai dit la vérité. Et comme j'avais dit la vérité, je n'avais pas le travail, c'est elle qui travaille. Soit celle-là, elle va dire, oh, elle n'a pas de camp. Elle n'a pas de camp. Pourquoi on n'a pas de vérité? Quand je suis venu en France ici, elle est descendue en Allemagne. Je lui dis la vérité. C'est elle qui m'a envoyé l'argent. Parce que j'ai dit la vérité. Amen. Amen. Soyons vrais. Maman, il faut dire la vérité à ton mari. Papa, il faut dire la vérité à ta femme. C'est une arme qui peut te sauver. Fais-le. On est debout.
On est debout. Il y a celui qui est à côté de toi, vérité. Vérité. Vous savez, mes frères, nous, avec papa José, il y a des fois, il y a des fois, on va acheter dans un magasin. Hein? Sauf papa José, qui a mon nia, ben, passe-là, passe-là. Et quand tu dis, et ça, t'as la repita. Non, mais ça, il y a des gens qui ont dit, mais ça, il y a un bon mélina, il y a une question, mais à 300 euros. Sois vrai, s'il y a un travail, on est en train de chercher les gens dans ce travail. Tu appelles ton ami. Tu dis ici, il y a du travail. Amen. Dis, regarde celui qui est devant toi. Dis la vérité. C'est une âme qui peut te sauver. Il y a un problème. Il a besoin de la prière. Celui qui a un problème, qui a besoin de la prière, tu viens, je vais prier pour toi. On chante. Le feu de Dieu
Souffle, Seigneur. Merci. Merci. Manifeste-toi dans sa vie, dans la sagesse, Seigneur, la paix du cœur, l'amour des cieux, l'onction des cieux, l'onction des cieux, dans sa vie, Seigneur, au nom de Jésus. Je vais finir ce qui est devant les têtes. Combat mes combats. Ne réfléchis pas avec ta bouche. N'utilise pas ta bouche pour combattre les autres. Mais laisse Dieu combattre tous ceux qui te combattent. La nuit comme la journée. Merci Père. Couche. Protège Jésus. Protège Jésus. Je prie, c'est tout ce que l'ennemi est en train de chercher à faire dans sa vie. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu. Seigneur, merci pour la protection. L'ennemi cherche à déstabiliser, à décourager, à affaiblir. Mais Seigneur, tu savais que la sœur viendra, Seigneur, devant ton trône. Il anéantit tout ce qui est flèche, de mauvais sons. Des mauvais songes. Je vous arrête. Sortez-les. Libère-la. La Bible dit que si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Qu'elle soit libérée. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Jésus.
aujourd'hui, la nuit, avant de dormir aujourd'hui, ne dors pas comme ça. Avant de dormir, tu pries le Seigneur. Tu recommandes ta maison entre les mains du Seigneur. Et tu dis, Seigneur Jésus, sois le centre de ma maison. Sois la protection de ma maison. Sois la protection de ma vie. Parce que quand le diable te cherchera, s'il ne trouve pas la porte chez toi, il va toucher à tes enfants. Amen. Et quand tu vas retourner à la maison, tu prends tes mains, tu les poses sur tes enfants et tu les recommandes entre les mains du Seigneur. Et que la protection de Dieu soit aussi sur eux. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons commencé, on a parlé de Goliath qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui tombent. On a parlé de l'ensemble spirituel. Nous avons un an, c'est de rester ville. C'est notre âme. La première âme, c'est la prière. C'est la prière. Mais quand tout reste ville, il te le dit, Goliath, tu ne tiens pas. Tu ne tiens pas rien à voir avec ma famille. Et tu prends ton caillou, ton homme, tu le fais à Goliath, tu le lances. Il n'y a pas Goliath, il n'y a pas diable. Parce que le diable, il n'est pas peur que tu cries. Non, il n'est pas pour ça. Le diable, il est peur un homme et une femme que prie le Seigneur, tu y Amen. C'est le moment de le thème et l'offrande. On va donner notre thème, notre offrande. Le Seigneur, alléluia, avec amour. Moi, je vais donner mon offrande à mon pasteur. C'est pour toi. Alléluia. On va louer le Seigneur. Bénir chacun des mains qui va venir poser son offrande sur toi.
au nom tout puissant de Dieu. Amen. Amen. Il y a des communiqués, notre soeur Marguerite. Des mamans de racheter et il y a des mamans qui sont pas au courant des trucs, des programmes. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore leur numéro peuvent s'approcher de maman Julie. Maman Mireille, oui. Et elle va vous rajouter au groupe des mamans. Je rappelle que tous les vendredis, on est ici à 18h30 à 20h pour une prière. Je rappelle aussi à toute l'église de ramener ceux qui ont ramené leur cotisation de voir Papa Patrick. Il est là tout au fond pour la cotisation de la salle. Nous sommes toujours sur Facebook de 6h30 à 7h pour la prière matinale. Et je pense que c'est tout ce que nous avons communiqué. Nous avons aussi repris notre prière avec Maman Jackie sur le fixe. Donc, tous ceux qui n'ont pas le numéro pour la prière doivent s'approcher de Maman Jackie. Je pense que c'est tout ce que nous avons comme communiqué. Nous savons notre Jésus. Puis, nous avons le mariage de notre sœur. Les pailles sont déjà disponibles. Et pour ça, j'ai dit que ceux qui n'ont pas leur numéro sur le compte doivent s'approcher de papa, de Maman Mireille. On a déjà envoyé le pain, le modèle sur le compte. Comme ça, chacun peut aller acheter. Donc, nous avons notre mariage de mois de juin, le 10. D'accord, nous aurons plus de détails le dimanche prochain quand je vais me rapprocher de la sœur. Et voilà, je pense que c'est tout ce que nous avons communiqué. Le Seigneur continue. Alléluia. S'il y a des nouveaux venus, vous pouvez se lever. C'est qui est venu pour la première fois ici dans notre église? Vous pouvez se lever, n'aie pas peur. Alléluia. Il n'y a pas de nouveau venu? Allez, frère, lève-toi. Oui, j'ai demandé l'amour du Seigneur. Oui, j'ai demandé l'amour du Seigneur. Je voulais que les frères et la soeur venaient ici devant pour se présenter. Alléluia. Comme ça, les frères et les soeurs ne vont pas connaître, sinon ils vont venir les voir. Alléluia. Il va vous présenter. C'est le grand frère de Franz. Et papa. Alléluia. Ça, c'est la femme de notre frère Mwanza. Ah, c'est la femme. Viens. Amen. Alléluia. Amen. Le frère est venu, frère Dali avec frère Mwanza. Ils sont venus en Europe, ils ont compris la vérité de l'Europe. Amen. Il faut travailler. Amen. Amen. C'est à cause du travail que la femme est venue. Amen. Mais le grand frère, à mon apôtre, il y a eu des maladies à Zongipoto.
bien déjà mon apôtre de Rana, mon apôtre d'Agara. Mais à cause du travail, ma femme est venue. Hein? Amen. Il y a mon cœur, on va foutre à boire. Pour les dames, vous savez, Nini? Pour les dames. C'est ça la vérité. On va te voir vraiment, c'est la vérité. Moi je la connais quand j'étais à Angola, on était avec elle et on priait aussi pour ça. Et Dieu a fait grâce. Amen. C'est comme impossible. Alors, comment vous avez dit que tout est long? Amen. Pour moi, ma colère, parce que Dieu est avec vous. Ma foi que le Seigneur te bénisse. Je connais toute la famille, je connais la maman, je connais toute la famille. Donc, il parle mal à la famille là-bas. Donc, moi, c'est une famille. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Papa Toubi, j'ai entendu parler de toi chez Frère Willy aussi. Je te vis aujourd'hui et vraiment, je suis à la fin. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Après, à la fin du culte, les deux frères, ils vont être en petit interview avec la secrétaire. Merci Seigneur pour ce culte d'aujourd'hui, il s'est manifesté, il a parlé. Il faut être dans la vérité. Moi, j'ai vu la photo de mon frère avec sa famille à l'aéroport. Je dis, bon, peut-être lui est à Kinshasa. Mais après, le Seigneur me dit, non, il est ici, il a ramené sa femme. Amen. Il a ramené sa famille. Il faut être dans la vérité, frère et soeur. Il faut être dans la vérité. Nous ici, nous sommes en famille. Amen. Nous ne sommes pas seulement des Congolais, des Cubains. Nous y sommes ici, dans son famille, dans son Père. Amen. 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 Nous sommes dans la famille de Jésus. Nous sommes prêts à célébrer le grand mariage. Amen. Le monde célèbre, les Juifs célèbrent cette fête. Quatre se sont compris que c'est fait de fête dans l'automne. Trois se sont pour compris. Et c'est le grand mariage où toi et moi, on va être là-haut. Amen. On va prier pour finir. Je vais demander mon pasteur, mon petit frère José. Je ne suis pas cassé, José. Je l'ai amené la valise, attends, avant de finir. Je l'ai dit les gens, pasteur, vous faites quoi avec ces valises? Moi, je vais partir à Kinshasa. Quoi? Aujourd'hui, je pars à Kinshasa. Moi, ça c'est mon petit frère, de tout mon corps. Et je pensais à lui tous les jours, parce que des fois, lui est sans travail. Il est en chômage. Et lui, me soigne aussi des amis. Et moi, de tout mon corps, je dis, moi, je vais remplir ces valises pour lui. Alléluia. Alléluia. Pasteur José. Prenez-vous pour finir, s'il vous plaît. Seigneur, nous te disons un grand merci pour ce culte de ce matin, au Père. Nous bénissons ta présence parmi nous. La parole de Dieu déclare, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira et vous rendra réellement libre. Et nous croyons que la vérité, c'est ta parole. Si nous marchons, Seigneur, dans la vérité de ta parole, ô Dieu, nous ne serons jamais dans la confusion. Merci, Seigneur, pour ta parole. Laisse que cette parole puisse produire, Seigneur, des effets dans nos vies, ô Dieu. Nous te bénissons, ô grand roi, parce que tu étais avec nous de demain jusqu'à la fin. Toi qui es le Dieu des départs et d'arrivée, ainsi que des retours, nous laissons notre retour entre tes mains. Laisse que ta grâce nous accompagne et que ta paix soit notre partage. Que cette semaine soit pour nous, Seigneur, une semaine de miracles et de grandes choses et de prodiges.
parce que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Tu as déclaré dans ta parole que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et nous croyons à cette parole qui est la vérité. Tu as dit que je ne vous laisserai jamais et je ne vous abandonnerai point. Tu es toujours avec nous. Même dans les moments difficiles, tu es avec nous. Même quand nous nous sentons que nous sommes seuls, mais tu dis dans ta parole que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Sois avec nous, ô notre Dieu. Que ta paix soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous. Amen. 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 Soyez-vous bénis. Alléluia.